Comment est-ce que ça se fait que vous êtes ici? Comme, est-ce que vous êtes intéressé à l'art urbain ou la graffiti ou juste quelque chose à faire? C'est lui qui nous invite. Parfait. Un push, c'est juste le rouge. C'est fait avec du papier. Penses-tu que c'est comme le graffiti standard ou typique que vous voyez sur la rue? Je pense que c'est quelque chose de vraiment différent. Ça semble différent. Mais plus acceptable, non? Pour tout le monde. C'est différent. Disons différent. Finalement, c'est pas... C'est une forme de peinture, si tu veux. Mais le graffiti, c'est comme un mauvais mot aujourd'hui. Et moi, je veux éloigner de ce mot-là. On ne tague pas sur les églises, on ne tague pas sur les garderies. Mm-hmm. On a les locales que tu peux faire ça. Yes. Et une autre chose que j'apprécie pas, c'est toujours leur nom. Oui, c'est leur nom. C'est pas du portraiture. C'est rien pour vous. C'est rien que pour eux. Quand tu fais une pièce d'art sur un espace public, tout le monde faut apprécier. Oui. Et quand tu écris juste ton nom, c'est un problème d'être reconnu. Ces gens-là veulent être reconnus par leur nom. Exactement. Sans doute parce qu'ils ne savent pas qu'ils mais sont trop. C'est pas du bon art, ça, pour moi. Il y en a qu'on trouve beau juste à aller le regarder. Tu dis, comment ça, c'est beau, au moins, c'est beau. La calligraphie, c'est ce que j'allais dire. C'est pas la calligraphie. Exact. Mais quand c'est bien fait. Oui, c'est ça. Mais la majorité des jeunes n'ont pas pris le temps dans leur livre noir pour faire un bon hand-style tag. En fait, ils ne sont pas des artistes. Ils font leur pratique sur la rue. Et sur la rue, ce n'est pas le temps pour pratiquer, c'est le temps pour efficacement faire une pièce d'art. Donc, on va poursuivre. Que dans ma vision, à moi, le graffiti, c'est ce qui était écrit, c'est les portes de toilette. Ce n'est pas pareil à ça partout. Ah. Est-ce qu'il se donne une formation? Une formation sur la graffiti? Oui. Ça, c'est le problème. Nous, est-ce qu'on pourrait devenir des gens qui font des graffitis avertis? Oui, mais absolument. Mais on commence à faire un nom, pas votre vrai nom, entre 3 et 7 lettres. Okay. Et juste pratique. On pourrait écrire ça quelque part sur un mot. Mais oui, on peut faire aujourd'hui. Donc, pense à un tag, OK? Et puis on va faire ensemble. Ah, et ouais. Je vais faire des instructions comment faire proprement. Bon. OK? Hey, la peinture que tu mets là-dessus, là, c'est-tu de la tremclade, là? C'est-tu Rona qui fait de l'argent avec ça? OK, dans Rona, puis la Canadian Tire, ils vendent le Krylon. OK. Puis le Rust-Oleum Tremclad. Back in the day, oui, c'est la seule peinture qu'ils utilisaient. Okay. Et tu fallait trouver les bons capuchons sur les autres peintures. Oui. Maintenant, il y a des shops et des compagnies comme Montana, Belt & Molotow qui a sponsoré ce événement. La peinture est uniquement utilisée pour le graphe. Pour le graphe, oui. Absolument. Mais les gens comme moi, j'ai utilisé pour le pochoir ou pour accentuer mon toile. Oh, oui. Mais vraiment, c'est des compagnies qui se spécialisent. Mais la c'est pour les graffitis. La qualité de la peinture. C'est combien la canette, là? C'est Montana, qui est le plus cheap. C'est 5,50, 6 piastres pour une canette. Mais le Molotow, qui est plus bon, que je pense, c'est 7,50 par canette. Donc, une pièce comme... C'est pas bien plus cher que la Tremclad, là. Un six-pack de canette. Ça fait 50 $ 50 piastres pour faire un mural. Quand même, hein? Ça, c'est... Mais c'est évident. Ça s'appelle les « straight letters ». Il y a des gars qui aiment ça vraiment straight, legible. Et il veut que tu sois capable de liser son nom. Il y a besoin d'être identifié. Le Wild Style était fait pour les personnes qui ne peuvent pas être capables de lire le nom. Les polices pour ne pas comme, trouver le gars. Check sur Wild Style. Là. Moi, j'ai aucune connaissance que ça dise, man. OK? Il a pris ses lettres et... il est transformé, hein? Complètement et comme 2 ou 3 fois. Ouais. N'importe où, tu peux faire plein de fois si vous voulez. Moi, je veux juste voir quelqu'un comme toi qui fait un tag. Non, mais c'est parce que je pense à l'air. Vous avez vraiment l'expérience graffiti. On est dans une ruelle, bouteille de bière, c'est un peu curieux.
Parfait. Juste vite, vite. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Okay. L'espace. Ouais. Ah oui. Ah, wow. You have the touch. Ben là, c'est cool. Bon touch. Mon char. D'habitude, tu as fait mon char. Ça, c'est la touche du maître. Hey. Et juste pour comme faire un autre layer qui n'est pas existant. Pap, 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 pap. Ah oui, ça c'est bien. Oh, c'est beau. Wow. Oh, c'est un sillon, quoi. Donc, ça, c'est une efficace façon pour faire une peinture. Oui. Pochoir. Excellent. On était ici pour combien de temps? 10 minutes? Oui. On a fait une œuvre d'art. C'est merveilleux. Est-ce que c'était plaisant? Non, c'était oui, très sympathique. On a appris quelque chose aujourd'hui? Absolument. Mais ouais. Parfait. Très c'était un plaisir de vous accueillir. Merci infiniment. Ça sèche vite, hein? It's already... C'est sèche. Ben non, je vois ça comme ça. Je vois ça comme une avalanche là, de couleurs puis d'idées. Puis on dirait que tu as peur que ça va te tomber dessus. Là, il y en a beaucoup. Ébahi par la rue. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est plein de sourires, c'est plein de joie, contrairement à ce que je pensais au départ. Au départ, je pensais que c'était quelque chose d'agressant. Mais c'est pas ça du tout. Il y a des choses agressantes, mais il y a des choses très amusantes. J'ai aimé beaucoup. Moi, je vois ça comme une forme d'art qui est supposée d'être marginale, mais qui est profondément démocratique. Et qui nous réjouit. Contrairement à ce qu'on peut penser d'habitude que les graffitis nous font peur, je trouve que cette forme d'art-là, aujourd'hui, sur les murs, c'est réjouissant. Même pour des vieux. Uh-huh, uh-huh. Pas si passe. C'est pas si passe.